Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est vendredi et comme d'habitude, je viens juste à l'instant de clôturer le vlog de la semaine dernière et je me suis dit bah que voilà, j'allais enchaîner et ouvrir le vlog de cette semaine. Du coup voilà, on est vendredi et j'ai deux lectures dont je voudrais vous parler rapidement. J'ai du coup lu la semaine dernière Les 100 000 royaumes de N.K. Jemisin qui est le premier tome de sa trilogie L'Héritage et comme en fait le vlog de la semaine dernière était beaucoup trop long, j'ai pas fait mon bilan lecture dans celui de la semaine dernière et je pense que je vais vous le faire dans celui-ci, à moins que je le fasse en point lecture. Attendez, parce que faut que je décide ça maintenant. Non, je vais vous en parler maintenant, je pense. Et je vous parlerai aussi du coup de Demain et le jour d'après de Tom Sweterlich, qui est ma lecture en cours. Et voilà. Alors du coup, pour revenir sur les 100 000 royaumes de N.K. Les poils de chat, du coup, pour en revenir sur Les 100 000 royaumes, donc le premier tome de la trilogie L'Héritage de N.K. Jemisin, qui est du coup sa première trilogie, je l'ai lu cette semaine, et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur, et c'est pas non plus une excellente lecture. Alors au début, sur les 100 premières pages, j'étais vraiment mais hyper emballée, j'ai adoré mon début de lecture, et j'étais persuadée que ça allait partir en coup de cœur, et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai été déçue. Alors du coup on est dans l'univers des 100 000 royaumes et les 100 000 royaumes c'est plusieurs royaumes qui sont voisins les uns des autres et qui ne sont pas vraiment en paix mais pas non plus vraiment en guerre. Disons qu'en fait chaque royaume est techniquement souverain sauf qu'en fait en réalité il y a une famille qui est extrêmement puissante dans ce royaume et qui dirige tous les autres royaumes. Il s'agit de la famille Aramerys. La famille des Aramerys, voilà c'est ça, qui du coup ont la main mise sur tous ces royaumes et qui dirigent de tout, enfin qui dirigent tout ça depuis la capitale. Il y a un homme du coup à la tête de cette famille qui est, en fait techniquement c'est pas le roi mais dans les faits c'est lui le roi, c'est lui qui dirige tout ça. Et voilà, du coup on est dans cet univers là et en fait on va rencontrer notre personnage principal qui s'appelle Yen, qui est une jeune femme et qui est la dirigeante d'un des royaumes du nord. Sa mère vient juste de mourir et il se trouve que sa mère était un membre assez important de la famille Aramerys puisqu'elle était l'héritière du roi actuel de la famille et normalement elle était, voilà, elle était censée lui succéder sur le trône, sauf qu'en fait sa mère a décidé de quitter sa famille pour des raisons un petit peu, voilà, c'est un petit peu nébuleux tout ça. Et du coup elle a été déchue de son statut d'héritière et elle est partie faire sa vie dans le nord et bref, sa mère vient juste de mourir et Yen vient juste de recevoir un message de son grand-père qui lui dit eh ben maintenant non, tu montes à la capitale parce que je veux te voir. Et comme bah, les Aramerys c'est la famille la plus puissante, elle n'a pas d'autre choix que d'y aller parce que bah, sinon il pourrait arriver des choses à son peuple, à son pays, tout ça tout ça. Bref du coup elle arrive à la capitale, elle rencontre son grand-père et elle va apprendre, bah, en fait elle va apprendre comme ça que son grand-père a décidé de faire d'elle une potentielle héritière et du coup elle pourrait éventuellement accéder au trône, sauf qu'elle n'est pas toute seule, il y a deux autres personnes, donc ses cousins qui s'appellent Siama et Relad, qui eux du coup ont toute leur vie vécu à la capitale et qui sont également en lice voilà, pour obtenir le trône. Et à partir de là du coup elle va découvrir un petit peu bah, tout cet univers de la capitale, tous ces jeux de pouvoir, de politique et tout, et elle va vite comprendre que son grand-père il a des choses derrière la tête et qu'il l'a pas fait venir pour rien et que voilà, toutes ces histoires de lui succéder d'héritière, ça cache quelque chose et elle va se retrouver bah, voilà, dans les ennuis jusqu'au cou, enfin vraiment ça va super mal tourner pour elle. D'autant plus qu'à la fois il y a ses ennuis avec la politique humaine, mais il y a également des dieux dans cet univers, des dieux qui justement vivent à la capitale. Je vous expliquerai un petit peu après toutes ces histoires de dieux. Et elle va réaliser que les dieux lui veulent quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Enfin, il se passe quelque chose d'assez bizarre avec les dieux. Et elle va devoir découvrir tout ça, sachant que ses cousins sont assez vénères et qu'ils ont décidé qu'ils étaient prêts à tout pour avoir le trône. Et notamment, s'ils pouvaient la tuer pour se débarrasser d'elle, bah ça leur ferait pas de mal. Donc voilà, à la base, c'est un petit peu ça l'intrigue. Et ensuite, on va réaliser que finalement, il y a énormément de secrets dans cet univers. Et notre personnage principal va devoir un petit peu découvrir tout ça pour sauver sa peau et sauver son royaume qui est mis en danger avec tout ça. Alors du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été la très bonne lecture, l'excellente lecture ou le coup de cœur que j'attendais. Parce qu'en fait, même si j'ai bien aimé l'histoire, même si j'ai bien aimé l'univers et les personnages, en fait j'ai bien aimé l'histoire mais j'ai pas énormément aimé l'intrigue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que je trouve que l'histoire est cool mais j'ai trouvé que l'intrigue est reposée sur quelque chose que j'aime pas trop en général, c'est-à-dire une héroïne, enfin une héroïne ou un héros qui arrive quelque part, qui connaît rien à rien parce que elle forcément elle arrive à la capitale, elle y a jamais mis les pieds, elle était toute seule tranquille dans son royaume du nord, il y avait personne pour la saouler et en fait bah débarque à la capitale, elle connaît rien aux mœurs, elle connaît rien aux usages,
Elle est ignorante de choses que tout le monde autour d'elle sait. Et justement, il y a une grande partie du livre et de l'intrigue qui va être notre personnage qui va essayer de découvrir des choses et de percer des secrets. Mais en fait, tout le monde le sait. Il y a juste elle qui le sait pas. Et du coup, c'est un truc que j'apprécie pas énormément en général dans les intrigues. En fait, j'ai beaucoup aimé toutes les histoires avec les dieux parce que j'ai trouvé que c'était super intéressant que les dieux, ils avaient de la personnalité, de la profondeur. Ils étaient un petit peu clichés, mais ils étaient quand même profonds. Vous voyez, c'était pas forcément antinomique, antithétique. Enfin bref, ça marchait quand même. Par contre, l'intrigue avec les humains, avec ses cousins notamment. L'antagoniste, donc sa cousine, enfin une des antagonistes, du coup sa cousine, je la trouve super creuse en fait. Elle est méchante, elle est calculatrice, elle est manipulatrice, mais elle a pas d'enjeu, elle a pas de profondeur. C'est un peu une méchante qui est méchante pour être méchante, vous voyez, qui veut le pouvoir pour le pouvoir, mais il y a rien derrière. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage que ce personnage-là, il était creux. Oui, j'ai trouvé que sur certains moments, c'était assez confus aussi. Enfin, il y avait des trucs, d'où ça sort cette histoire de caillou, pourquoi ce caillou ça peut faire ça, enfin, j'avais un petit peu l'impression parfois qu'il y avait un événement ou une révélation, enfin une information qui sortait et qui devenait importante, et j'avais l'impression en fait qu'il manquait un paragraphe, que j'avais loupé un paragraphe parce que je comprenais pas trop d'où ça sortait, et enfin vous voyez un petit peu, c'était voilà une impression de confusion ou que. Je sais pas, j'ai été confuse, disons, à certains moments de l'intrigue. J'ai bien aimé le personnage. Ah non, un autre truc par contre que ça, j'ai pas aimé, c'est que du coup, il y a cette intrigue politique, je dirais, entre Yen et ses cousins. Elle est en compétition pour obtenir le trône, sauf qu'elle elle joue pas le jeu en fait, elle fait pas la compétition. Elle arrive et globalement, elle s'enferme dans sa chambre et elle attend que ça passe. Mais du coup, pendant ce temps-là, son cousin et sa cousine, ils mettent des choses en place. Ils font des intrigues, ils font des machins. Et du coup, ça m'a donné deux impressions, à la fois l'impression que l'héroïne était super passive, ce qu'elle est. Je pense que c'est une héroïne qui est globalement assez passive et c'est pas inintéressant parce que voilà, ça va un petit peu à l'encontre du personnage féminin hyper, hyper badass. Là, on a eu une héroïne qui débarque, qui est terrifiée, qui est assez passive et qui finalement subit un petit peu tout ce qui se passe. C'est pas inintéressant, mais par contre, là où ça m'a gênée, c'est que ça me donnait l'impression que l'intrigue était creuse à un endroit parce que du coup. Il y avait tout ça qui servait de prétexte, mais il se passait rien du tout là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a. Bref, globalement, là j'ai fait beaucoup de reproches, mais il y a des choses que j'ai aimées quand même. Hein. Notamment, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai adoré tous ces conflits sur les dieux, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des relations privilégiées qui vont se tisser entre Yen et certains dieux que j'ai trouvé assez touchant et assez beau. Donc voilà, il y a des choses que j'ai appréciées quand même. Mais globalement, c'était une bonne lecture, mais c'était une bonne lecture sans plus en fait. Donc voilà, et ça va être tout pour ce livre, et je crois que ça va être tout pour ce matin parce qu'en fait j'ai quasiment plus de batterie. Donc je vous parlerai du Tom Sweater Leech plus tard. Et voilà, bref, de toute façon, je vous laisse là pour ce matin et je reviendrai vous en parler plus tard dans l'après-midi ou demain ou plus tard, je sais pas quand. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup on est dimanche et du coup je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours qui est du coup toujours le même livre que la dernière fois que je vous avais parlé. Donc attendez, vous êtes un peu proche. C'est pas un peu zoomé là? Non, c'est bon. Bref, du coup je disais toujours le même livre que la dernière fois que je vous avais parlé qui était du coup vendredi parce que j'ai dû. Ah bah j'ai deux marque-pages au même endroit. Aïe aïe aïe, bref, oui parce qu'en fait en ce moment j'ai du mal à lire, j'ai super mal à la tête. En fait c'est pas une douleur qui est hyper intense mais c'est assez constant et c'est tous les jours. Du coup je suis, bah voilà, j'ai mal au crâne et j'ai du mal à me mettre à ma lecture. Donc voilà, c'est pour ça que j'avance assez lentement sur ce livre qui pourtant est vraiment très très sympa. C'est pas hyper dans mes, enfin c'est pas hyper... En fait, j'ai tellement l'habitude de dire hyper dans toutes mes phrases que parfois j'essaie de l'insérer à des endroits où ça va pas du tout. C'est pas exactement mon type de lecture habituelle parce que là on est sur un thriller de science-fiction. J'en lis quelques-uns des thrillers de science-fiction quand même, mais c'est pas ce que je lis le plus. Et celui-ci en plus, il est vraiment très sombre. En fait, c'est le même auteur que le Terminus. Terminus ou le Terminus? Non, je crois que c'était le
Terminus, le titre du roman, c'est du coup par Tom Sweterlich, et Terminus, c'était vraiment super sombre, j'avais adoré cette lecture, c'était vraiment génial, et ça, pour l'instant, c'est vraiment très très cool aussi, vraiment, j'aime beaucoup. En fait, j'ai un petit peu de mal à me mettre à ma lecture, parce que j'ai mal au crâne, et parce que c'est sombre, et en fait, une fois que je suis dans ma lecture, par contre, je suis super bien, c'est... En fait, c'est... Il y a ce côté addictif en fait, parce qu'on voit les mystères avancer et on se demande mais c'est quoi ce bordel en fait? Vraiment, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et qui sont ces personnes? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes filles? En fait, dans ce roman, on va suivre un homme qui est enquêteur pour les assurances dans un univers qui ressemble au nôtre. Alors je sais pas si c'est dans un futur un peu éloigné ou dans notre présent un petit peu alternatif, je sais pas trop, mais en gros c'est un univers... où il y a des... tout le monde a un implant dans le crâne, un implant qui permet de se connecter aux réseaux sociaux de la ville, enfin une espèce d'immense réseau internet que les gens ont implanté dans le crâne, et c'est un univers internet qui a été envahi par la pornographie, par le capitalisme, ou la mode, et c'est devenu hyper important, enfin il y a tout un truc comme ça assez malsain sur enfin là-dessus, c'est hyper intéressant et c'est super sombre, enfin vraiment c'est un univers qui est sombre, qui fait froid dans le dos, parce que pas déjà tout le monde surveille tout le monde grâce à, enfin tout le monde surveille, oui si c'est ça, tout le monde a une caméra dans l'œil, donc tout le monde enregistre en permanence bah, les faits et les gestes de tout le monde, et il y a ce côté voilà bah, de c'est dans ta tête en fait, t'as des pubs qui arrivent dans ta tête, qui captent tes désirs, qui captent tes trucs, enfin c'est poussé assez loin et c'est super intéressant. Bref, du coup, on est dans cet univers-là et en fait, il y a... il y a 10 ans, pardon, j'allais dire 20 ans, mais non, il y a 10 ans, il y a une bombe nucléaire, un attentat terroriste qui a rasé la ville de Pittsburgh, et en fait, c'est la ville où notre héros habitait, mais lui, il n'y était pas au moment des faits, donc c'est un survivant. Par contre, la bombe a tué sa femme qui était enceinte, et donc du coup... c'est un homme qui est en plein deuil et qui 10 ans après ne se remet vraiment vraiment pas de la perte de sa femme, d'autant plus que grâce justement à tout cet univers virtuel, ces caméras, ces choses que les gens ont dans la tête, on a réussi à reconstituer les archives, et en fait les archives c'est en gros toutes les archives numériques, les archives audiovisuelles de la ville de Pittsburgh avant la catastrophe, et donc du coup tu peux te connecter aux archives et aller te balader dans la ville comme quand c'était avant, tu peux un petit peu retrouver tes souvenirs, retrouver les personnes que tu aimais, et du coup lui il est totalement accro à ça, dès qu'il peut il prend de la drogue pour affûter ses sens et il va dans la ville de Pittsburgh, enfin dans les archives en fait, dans les archives numériques, et il retrouve son appartement, il retrouve sa femme, il dort avec elle, enfin bref, et donc du coup on est 10 ans après l'attentat qui a tué sa femme, il travaille dans, voilà, il travaille en fait pour une assurance, il fait des enquêtes justement dans les archives de la ville pour une police d'assurance, enfin bref, il fait des trucs comme ça, il travaille dans les archives. Un jour en travaillant, il va trouver un corps, un cadavre en fait, le cadavre d'une jeune fille, et il va devoir enquêter sur elle, sauf qu'il va se passer d'autres choses en parallèle, mais en parallèle il y a quelqu'un qui va le contacter, quelqu'un de très puissant, qui va lui demander de faire une enquête pour lui à son compte, de retrouver une personne, et il va du coup continuer son travail dans les archives mais pour rechercher une autre personne, et là il va se rendre compte qu'il se passe des choses quand même très bizarres, il y a des choses qui ont été effacées, il y a des choses qui ont été remplacées, il y a quelqu'un qui a effacé des traces dans les archives, et il commence à y avoir, bon, je peux pas, voilà, je vais pas vous en dire plus que ça au niveau de l'histoire, mais en fait il commence à se passer des choses très bizarres et assez inquiétantes, et on commence à comprendre au moment où j'en suis que clairement notre héros il est tombé dans un truc beaucoup plus gros que lui, et que bah... Moi ma théorie c'est qu'on se sert de lui, enfin qu'il y a quelque chose en fait, et c'est ça en fait qui fait que le roman est assez addictif et que quand on est dedans c'est difficile de le lâcher, c'est qu'en fait on sent qu'il y a énormément de secrets, de mystères derrière tout ça, et on veut savoir en fait, évidemment on veut savoir, on veut savoir quoi. Voilà, pour l'instant ça me plaît beaucoup, je suis arrivée à la moitié du livre, enfin j'ai un petit peu dépassé la moitié du livre hier soir, j'aurais bien aimé le terminer aujourd'hui mais je pense que comme mon mal de tête est pas passé ça va pas être possible. Et voilà du coup pour ma lecture en cours, et puis j'ai fait ma pile à lire du coup pour le mois de la fantasy, normalement, enfin la vidéo est tournée, montée et tout, donc normalement ça devrait sortir mardi matin ou mardi midi, je sais pas trop, donc voilà, j'ai trop trop hâte que ça commence, et puis voilà, je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est lundi, si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà que la journée d'hier a pas été folichonne pour moi, parce que en fait normalement hier soir il y avait le live sur la chaîne de Michaela avec Jen, un live sur la science-fiction, et en fait la journée est un petit peu partie... La journée commençait bien, puis est arrivé le déjeuner où on a mangé un truc, on a mangé de la viande pas très fraîche,
Et bah, je me suis retrouvée patraque, voilà, enfin je me suis retrouvée dans l'état où on se retrouve en général après avoir mangé un truc pas frais. Quoique franchement je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à pire, parce qu'au moment où j'ai commencé à me sentir pas bien, je me suis dit oh putain ça va être une intoxication alimentaire, je vais encore être malade pendant un mois, ça va être horrible et tout, et en fait non. En fait c'était vraiment, j'ai été patraque, j'étais pas bien et tout, mais là vous voyez ça va, c'est passé. Mais franchement ça va, mais bref, du coup j'ai dû annuler le live et j'étais bien dégoûtée, déjà parce que bah, je me réjouissais vraiment de faire ce live avec les filles, et en plus bah, parce que annuler comme ça au dernier moment c'est pas cool, c'est... Bah ça a obligé Michaela à trouver un truc un peu dernière minute, donc voilà, c'était un peu une journée de merde quoi, clairement hier c'était vraiment pourri. En plus j'avais commencé à faire de la couture, j'avais commencé à faire une robe et j'ai ruiné ma robe parce que j'ai commencé à me sentir patraque, mais je me suis dit non c'est pas grave, je continue ma couture et tout. Et du coup à un moment je continue ma couture et je me suis, en fait à un moment je me suis rendu compte que j'avais fait grave de la merde parce que j'étais pas bien et j'aurais dû avoir l'intelligence en fait quand j'ai commencé à me sentir mal, mais je crois qu'à ce moment-là j'étais dans le déni encore, de tout arrêter, juste d'aller me mettre au lit, et je l'ai pas fait, du coup j'ai gâché ma robe, j'ai gâché du tissu, je sais pas si je vais pouvoir récupérer ça. Bref, du coup pour parler lecture quand même, hier j'ai quand même réussi à lire et j'ai terminé Demain et le jour d'après de Tom Sweaterlich, qui était vraiment très chouette. J'ai vraiment vraiment bien aimé cette lecture qui me sort totalement de ce que je lis habituellement, parce que c'est vrai que c'était quand même très sombre, avec ce côté thriller. Alors moi je lis pas de thriller et enfin je lis très très peu de thriller et j'y connais rien, donc du coup je vous avais dit que c'était un thriller de SF et en fait je suis pas exactement sûre, parce qu'au fur et à mesure de ma lecture je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça. En fait j'ai l'impression que c'est un thriller, mais un thriller qui s'amuse à déjouer les codes du thriller au fur et à mesure de la lecture, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au début on part sur quelque chose, on dit ok, va y avoir une enquête, va y avoir une grosse montée en tension, va y avoir ce suspense, bah, tous ces trucs du thriller. Et en fait quand on arrive dans la deuxième moitié du livre, ces choses-là sont, bah voilà, sont déjouées au fur et à mesure, ça déjoue vachement nos attentes, je trouve. J'ai trouvé que c'était assez chouette, que c'était assez original, enfin j'ai vraiment bien aimé. Mais je vais pas vous en faire la chronique pardon, tout de suite, parce que il faut que je fasse le montage de la vidéo de ce que j'ai déjà filmé, parce que je me souviens plus de ce que je vous ai déjà dit sur ce livre. Et en fait je me souviens même plus si je vous ai fait le résumé, si je vous en ai déjà parlé ou pas, donc bon bref je me souviens pas. Et comme je veux pas faire de redites, je vais faire le montage et ensuite je vous parlerai de tout ça. Et sinon du coup j'ai choisi, non mais n'importe quoi hier, franchement hier c'était la journée du n'importe quoi, je me suis choisi une nouvelle lecture. Et en fait hier quand je me suis posée devant ma pile à lire, et d'ailleurs ma pile à lire faudra que je vous montre parce que j'ai fait des changements dedans, j'ai modifié des trucs et tout, et je pense que je vais faire une vidéo spéciale présentation de ma pile à lire et tout. Mais bref, du coup hier quand je me suis posée sur ma pile à lire, il y avait deux livres qui me faisaient envie. Il y avait que ces deux-là d'ailleurs qui me faisaient envie, et ces deux livres que d'habitude j'ai jamais envie de lire, des livres qui sont là depuis l'été dernier. Il y en a un qui était là, ouais c'est ça, depuis l'été dernier. N'importe quoi, franchement je sais pas ce qui m'a pris, alors je sais pas si c'est la maladie qui m'est montée à la tête ou je sais pas, n'importe quoi. Mais voilà, du coup en fait j'ai commencé, je me suis dit je vais lire le tome 2 de Charaka, et bon ça du coup c'est le tome 1. J'étais grave motivée pour continuer dans Charaka, je pense que c'est totalement l'influence de Michaela et de Rémi qui m'ont, voilà, qui m'ont vraiment donné envie de poursuivre ma lecture. Mais en fait quand j'ai commencé le tome 2, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas assez de souvenirs du tome 1. Je lisais des trucs, j'étais là, non mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans le tome 1? Donc je me suis dit que ça servait à rien de me lancer dans une lecture où je savais que j'allais galérer à me souvenir des choses. J'ai cherché sur internet s'il y avait des résumés détaillés du tome 1 et j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit bah je vais relire le tome 1. Donc voilà, j'ai pas commencé la relecture. Parce que entre-temps, j'ai choisi une nouvelle lecture et j'ai donc commencé le tome 3 de La Roue du Temps. Si vous me suivez un petit peu dans mes vidéos, si vous me suivez sur Discord, enfin si vous êtes sur Discord, Instagram et tout, vous savez que La Roue du Temps. Enfin ça fait que des semaines et des semaines et des mois que je me dis ouais non cette saga finalement grosse flemme, ça me plaît pas tant que ça, j'ai pas envie de continuer, je pense que je vais abandonner. Et même il y a quelques jours j'hésitais à revendre mes tomes et là n'importe quoi, enfin n'importe quoi, je me motive et je me replonge dans La Roue du Temps. Et le gros avantage de La Roue du Temps, parce que mes souvenirs quand même dataient de l'été dernier donc c'était un petit peu flou, c'est qu'il y a les résumés détaillés disponibles sur Wikipédia et ça bah c'était bien cool. Du coup j'ai relu les résumés et je me suis lancée dans le tome 3 et franchement, alors que j'étais quand même un peu au bout de mon slip hein, hier soir, bah, j'ai bien avancé, j'ai lu une centaine de pages et vraiment c'est passé tout seul. Finalement, je me suis mise. En fait, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment suivre ses moods de lecture. Faut pas se forcer à lire des livres qui nous font pas envie. C'est que quand tu prends le livre que t'as vraiment envie de lire,
Bah t'es tellement bien dedans en fin de compte, enfin j'étais vraiment bien dedans, j'ai vraiment apprécié mon début de lecture et il me tarde de reprendre ma lecture d'ailleurs, donc voilà, ça c'est le tome 5 en poche, donc ça correspond à la première partie du tome 3 et voilà, pour l'instant je trouve ça vraiment très chouette, je suis finalement très contente de retourner dans cet univers et voilà, je sais pas si je vais enchaîner la première partie, deuxième partie, je sais que normalement faut vraiment les enchaîner. Mais moi j'aime bien alterner mes lectures et tout, donc je vais voir. Mais bah, je pense que je vais bien avancer là-dedans aujourd'hui parce que comme je suis un peu fatiguée encore de mes péripéties de la veille, bah, je vais sûrement me mettre dans le canapé assez tôt pour lire. Et voilà, et je pense, j'hésite aussi à relire du coup le tome 1 de Sharakai en parallèle de ça, puisque comme c'est une lecture que j'ai déjà faite, je vais pouvoir la faire en accéléré. Donc ma foi, pourquoi pas? Il faut que je réfléchisse à ça. Sauf si, et ça ce serait vraiment le top, si j'arrivais à trouver un résumé détaillé du tome 1 quelque part sur internet, ça m'éviterait de tout relire. Même si en même temps j'ai bien envie de le relire. Donc voilà pour mes lectures en cours. Franchement ça m'a fait rire parce que je me suis dit non mais. Mais je l'aurais pas cru, vous m'auriez dit ça il y a un mois que j'allais me lire en même temps en plus Sharakai et La Roue du Temps, j'aurais rigolé parce que c'était vraiment des lectures. Où, pour Sharakai, le tome 1, j'avais bien aimé, mais vraiment sans plus. Vraiment sans plus, je comprends pas la hype autour de cette saga. Parce que moi, mon expérience de lecture, c'était sympa, mais sans plus. Donc voilà pour mes lectures en cours. Voilà, je sais pas, donc, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Bref, et bah du coup, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mercredi et je reviens vers vous du coup pour vous faire le bilan de ma lecture de demain et le jour d'après de Tom Sweater Leach. Comme j'ai commencé à monter le vlog et en fait je me suis rendu compte que je vous en avais déjà pas mal parlé de ce livre finalement, donc je vais essayer d'être assez bref. J'ai vraiment aimé tous les développements sur cet univers virtuel, sur ces implants qu'ils ont dans la tête qui permet voilà bah, de créer voilà cet univers virtuel avec beaucoup de pubs, un univers qu'on sent, en fait on sent, il y a aussi un côté dystopique où on sent, enfin dystopique. Oui et non en fait, parce que c'est pas une intrigue dystopique, c'est pas une dystopie, mais on sent quand même que la société, elle a tourné vers quelque chose de pas terrible. On sent que il y a eu voilà une espèce de perversion, il y a quelque chose de très noir dans ce roman et la société, on est parti sur quelque chose vraiment qui a été envahi par, enfin par, ouais c'est ça, par quelque chose de très bizarre. Il y a ce côté, il y a une omniprésence de la pornographie, de la sexualité, il y a une image de la femme déplorable, le pouvoir politique qui est devenu même pas un pouvoir politique, enfin. Qui est devenue une espèce de spectacle en fait, c'est vraiment hyper bien fait, c'est vraiment glaçant parce que franchement on se dit, enfin, c'est vraiment très noir, c'est vraiment une vision très noire de la société, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait et qu'est-ce que je disais? Oui, et j'ai beaucoup aimé voilà, tous ces développements sur l'environnement virtuel, sur les caméras, sur les flux d'influence, sur tout ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant et qu'on tombait pas pour autant dans l'espèce de comment dire, on tombait pas non plus chez Alain Damasio où toute la technologie c'est mal et tout, c'est que là la technologie en elle-même n'était pas forcément mal, c'est qu'il y avait eu une espèce de voilà de perversion en fait, ce roman il m'a vraiment laissé l'impression de une espèce de voilà de truc sombre qui serait venu s'infiltrer dans toutes les strates de la société et dans enfin quelque chose voilà de noir en fait. J'ai beaucoup aimé le développement de notre personnage principal parce qu'en fait je le trouve hyper touchant. Il est malheureux comme les pierres, ce pauvre homme. Il est en plein deuil, il n'arrive pas à se remettre. Il est en pleine dépression, il est accro aux drogues et il est tellement. En fait, je trouve tout le traitement de cette partie du deuil, de la perte est tellement bien faite que enfin franchement c'est impossible de pas être touché, c'est impossible je pense de pas être remué par les sentiments de ce personnage qui vraiment sont dévastateurs. En ce qui concerne l'intrigue elle-même maintenant, j'ai trouvé que c'était sympa mais que c'était vraiment pas hyper innovant, c'est-à-dire que à part l'univers, à part le personnage, en fait tout le reste est super intéressant, assez original, mais l'intrigue elle-même, en fait, on est sur quelque chose d'hyper classique de, bah voilà, enfin, une enquête pour meurtre, pour disparition, des jeunes femmes qui sont mortes et on va essayer de comprendre qui, comment, pourquoi. Et donc et les révélations, le comment et le pourquoi justement sont pas incroyables, sont pas spectaculaires, sont pas hyper originales. Donc ça, je pense que je sais pas, à la fois en fait, je suis un peu mitigée parce qu'à la fois je me dis ouais, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu faire en sorte que ce soit plus science-fictionnel, justement, les révélations. Mais en fait, en même temps, j'ai apprécié que justement, on parte pas sur quelque chose de vraiment thriller, de vraiment spectaculaire, mais qu'en fait, on reste toujours
En fait, finalement, on se rend compte à la fin qu'on n'a pas tant suivi une enquête qu'on a suivi un personnage dans son parcours de deuil, de rédemption, de... Voilà, on a suivi ce personnage et il se trouve que, ben voilà, son parcours est passé par une enquête. Mais finalement, j'ai l'impression que tout cet aspect enquête est secondaire par rapport au fait qu'on va suivre ce personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est le sentiment que j'ai notamment dans la dernière partie du livre, parce qu'on se rend compte, voilà, que finalement, l'aspect enquête... À un moment va retomber, mais pas va retomber comme un soufflet, vous voyez, ça va retomber, mais d'une manière qui, je trouve, est assez bien faite dans le reste de la construction du roman. J'ai l'impression que je dis de la merde ou je dis des trucs super fumeux, mais c'est que je veux pas forcément vous donner les détails du truc parce que je voudrais pas vous spoiler, mais voilà, c'est en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Et c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée, enfin, bien aimé ma lecture en fait, parce que j'ai terminé avec plaisir, j'ai même dévoré les dernières pages, mais je pense que certaines personnes pourraient avoir un côté insatisfaction s'ils s'attendent vraiment trop à une enquête hyper développée, parce que c'est pas ça que vous aurez. Par contre, on va vraiment avoir une immersion dans la tête de ce personnage où il fait pas franchement bon vivre, et dans cet univers que j'ai trouvé, voilà, assez fascinant, assez glaçant et franchement pas joyeux, mais c'était très chouette. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Rebonjour tout le monde. Alors je repasse très rapidement pour vous parler de ce livre parce qu'en fait je réalise en faisant le montage que j'ai oublié de vous dire un truc et quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser. J'ai quasiment plus de batterie donc voilà, de toute façon j'avais prévu d'être brève. Du coup quand je vous avais parlé de ce livre, je vous avais dit que j'avais eu un petit peu de mal à le définir en termes de genre et de sous-genre parce que je savais pas, enfin je savais pas trop quelle hypothèse était la meilleure. Est-ce que c'était du thriller, de SF, du polar, du roman noir, parce que c'est des sous-genres que je connais très très mal en fait. Donc du coup j'avais du mal à, voilà, à l'identifier et voilà, du coup j'ai un petit peu réfléchi et j'ai pas trouvé de réponse parce que voilà, c'est pas quelque chose que je connais. Mais par contre j'ai réalisé que c'était un livre qu'on pouvait très bien classer dans la catégorie, enfin dans le sous-genre du cyberpunk. Alors c'est pas particulièrement que j'ai envie de le caser absolument dans une case, mais je trouve que c'est intéressant en général quand on lit des romans, surtout des romans de l'imaginaire, de savoir un petit peu à quel genre ils appartiennent, parce que comme ça nous permet de savoir un petit peu bah, à quel code ils répondent, parce que si on lit la même histoire en SF positive ou en cyberpunk, bon, on n'aura pas du tout la même chose, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup je pense que c'est un roman qu'on peut très bien classer en cyberpunk. Le cyberpunk c'est un sous-genre de la science-fiction qui est notamment, qui est très sombre, très noir, donc du coup ça correspondait à ce que je vous disais, avec cet envahissement de la société par les technologies informatiques, l'envahissement du capitalisme qui s'est infiltré partout avec le dévoiement du pouvoir politique et tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, parce que très franchement le cyberpunk c'est un sous-genre que je lis absolument jamais, donc ça m'a absolument pas fait tilt. Là ça m'y a refait penser en fait, parce que je sortais de ma bibliothèque pour préparer le live de ce soir, le live du coup de Michaela, parce que là on est dimanche. Du coup, ce soir chez Michaela, il y a le live de science-fiction avec Jen. Et du coup, je sortais de ma bibliothèque les romans de science-fiction que j'avais qui pouvaient être intéressants et tout. Et c'est là, en sortant de celui-ci, je me suis dit, mais oui, en fait, voilà, c'est ça. Donc voilà, je voulais vous le dire rapidement si c'est un sous-genre qui vous intéresse, enfin, si en fait la thématique vous intéresse. Je vous invite à faire une recherche Google rapide et vous aurez bah, toutes les informations que vous voulez sur le cyberpunk. Et du coup, je voulais vous montrer les romans que j'ai reçus de la part des éditions. J'ai lu, j'ai reçu ces deux romans-là que je leur avais demandé parce qu'en fait, j'aime beaucoup leur collection Nouveau Millénaire. Et notamment, il y avait ces deux titres qui me faisaient très envie. Alors du coup, j'ai reçu Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, qui est le roman qui a reçu le prix Hugo en 2020, je crois. Oui, ça attendait 2019. C'était quoi déjà en 2019? Mince, attendez, parce que je sais que N.K. Jemisin a gagné 3 fois de suite pour les 3 tomes de La Terre fracturée, mais je crois que le dernier c'était en 2018 du coup. Donc ça, je sais plus si c'est le prix Hugo 2019 ou 2020, mais bref, dans tous les cas, il a gagné le prix Hugo du roman, et du coup, ça me faisait super envie. Alors du coup pour l'histoire, en gros on est sur un univers de science-fiction où il y a un empire et en fait l'empereur vient juste de mourir et la personne qui va succéder à l'empereur est une femme, une jeune femme qui s'appelle Maït. Et en fait normalement quand dans cette une et en fait normal et en fait normalement dans cet univers quand tu succèdes à l'empereur tu récupères sa puce mémorielle avec du coup bah, toute sa mémoire, toutes les choses importantes, les dossiers, toutes les informations en fait, à savoir que du coup l'empereur transfère à son successeur, sauf qu'il se trouve que la puce mémorielle de l'empereur a été endommagée
Voilà, ça va la foutre dans la merde. Alors, ils disent quoi? La puce mémorielle censée lui fournir tous les souvenirs de son prédécesseur est défectueuse, la laissant démunie face à une société complexe dont elle a du mal à appréhender les codes. Du coup, on va suivre notre héroïne dans tout ce bazar. Et en plus de tout ça, il semblerait que le précédent empereur ait été assassiné. Donc, bah, du coup, notre héroïne va se demander si elle ne serait pas la prochaine sur la liste. Donc, voilà, c'est un roman que vraiment j'ai hyper hâte de lire. Mais je vais pas le lire tout de suite parce que le mois prochain, c'est donc le mois de la fantasy. Et qu'en plus, je vous propose une lecture commune de ce roman qui se déroulera du coup les deux premières semaines de juin. Donc voilà, si c'est un roman qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou à me poser des questions dans les commentaires. Ça sera du coup une lecture commune, bah, plutôt tranquille parce que j'aime pas mettre trop de deadline et tout. J'aime bien quand c'est assez serein et que chacun lit à son rythme, mais du coup ça se passera début juin. Donc voilà, si le roman vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et du coup, ils m'ont également envoyé La Tour du Freud de Anne Leckie. Alors Anne Leckie, c'est une autrice que je connaissais surtout pour sa science-fiction, même si du coup je l'ai pas encore lu, puisque c'est l'autrice qui a écrit La Justice de l'Ancillaire, et il me semble que La Tour du Freud c'est son premier roman de fantasy. Oui c'est ça, Anne Leckie s'essaie pour la première fois à la fantasy, et voilà, c'est un one shot si je me trompe pas, et en fait c'est un roman dans lequel on va suivre un royaume qui est protégé depuis des siècles par le Freud, et le Freud je me demande si ce serait pas une espèce d'oiseau géant, un dragon, un phénix ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas le Freud c'est quelque chose, une entité magique j'imagine, qui protège le royaume depuis des siècles, sauf qu'un jour le royaume va se faire attaquer et le Freud ne va pas répondre, et à partir de là il va se passer des choses, et c'est cette histoire qu'on va suivre. Donc voilà, là encore c'est un roman qui m'intrigue énormément, et du coup je le rajoute à ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Non mais n'importe quoi, de toute façon je savais que cette pile à lire elle allait évoluer parce que j'allais forcément avoir envie de lire des nouvelles choses. Mais voilà, du coup je pense que je vais le lire pendant le mois de la fantasy parce que ça m'intrigue énormément. J'ai hâte de découvrir cette autrice. Donc voilà du coup pour ces deux romans, et je vous en reparlerai bah, quand je les aurai commencés. Enfin ça je vous en reparlerai du coup, parce que si je lance une lecture commune va quand même falloir que j'annonce le truc. Donc voilà, et sinon du coup pour ma lecture en cours, alors j'ai terminé la première partie du tome 3 de La Roue du Temps, et franchement j'ai été étonnée parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Ce tome était vraiment super plaisant à lire, notamment parce qu'on ne voit pas beaucoup Rand, qui est normalement le personnage principal, enfin le grand héros, et que je trouve franchement insupportable ce personnage, il est débile, enfin franchement Rand il est débile, et je le supporte pas, il est trop chiant ce personnage, et du coup là on le voyait pas beaucoup et c'était assez cool. Et voilà, j'ai commencé du coup la deuxième partie. À un moment, j'ai hésité à ne pas enchaîner les deux. Et après, je me suis dit que c'était pas très raisonnable et que sinon, j'allais laisser traîner la deuxième partie pendant trop longtemps. Donc, j'ai enchaîné avec la deuxième partie. J'avais mis un marque-page, merde. Donc voilà, j'ai commencé la deuxième partie et je suis à la page 112 et j'aimerais bien continuer ça tranquillement aujourd'hui. Donc voilà pour ma lecture en cours. Ah non, si, je vous ai pas dit quand même, dans la deuxième partie, on commence à voir apparaître des personnages vraiment très cool, et notamment on commence à en apprendre vraiment plus sur le peuple des Aiel. Et ça a l'air d'être vraiment super intéressant. Enfin vraiment ça, c'est, je trouve que ce peuple là a l'air d'être vraiment très cool et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc si on part dans cette direction, il y a moyen que vraiment La Roue du Temps remonte un petit peu dans mes sagas, parce que vraiment je vous dis, il y a quelques temps c'était une saga que je comptais abandonner, j'étais totalement désintéressée de cette saga, et là je sais pas, j'ai eu une envie un peu fulgurante de me remettre dedans. Et j'ai commencé, et d'ailleurs j'ai commandé le prochain tome sur Vinted, donc voilà, comme quoi parfois, hein, les envies de lecture. Donc voilà, bah du coup c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Thank you.
Rebonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi et avant de clôturer le vlog comme d'habitude je voulais vous faire le bilan de ma dernière lecture terminée. J'ai terminé avant-hier, avant-hier soir, le tome 3 de La Roue du Temps de Robert Jordan, donc ça c'est la deuxième partie et vraiment cette deuxième partie je l'ai mais dévorée, enfin et franchement je suis la première étonnée parce que La Roue du Temps vous savez que ça n'a pas été un grand coup de foudre littéraire entre lui, entre la série et moi, mais ce tome 3 vraiment je l'ai trouvé super plaisant. J'étais hyper bien dedans, j'ai adoré suivre les personnages, en fait j'étais hyper bien dedans, un peu, c'était trop bien, franchement j'ai vraiment adoré ma lecture et au point que à la fin, que quand j'ai terminé ça, j'étais frustrée de ne pas avoir le tome 4 sous la main, que du coup j'ai commandé sur Vinted et franchement je pense que si je l'avais eu à ma disposition, j'aurais peut-être enchaîné le tome 3 et le tome 4 parce que j'étais vraiment bien dedans. Donc voilà, La Roue du Temps, je vous refais pas le résumé, enfin je vous refais le... Est-ce que je vous refais un résumé? En fait, je sais pas trop si ça vaut le coup de vous refaire un résumé vu que c'est une saga qui est quand même pas mal passée. Pour la faire en très très grand, c'est de la fantasy quand même très classique, c'est voilà un des grands classiques de la fantasy. En fait, on va suivre trois jeunes hommes et plusieurs jeunes femmes, enfin surtout deux jeunes femmes, qui sont tous les cinq originaires du village de Deux Rivières, et c'est un village plutôt paisible, sauf qu'un jour il va y avoir des créatures qui vont arriver et qui vont voilà attaquer tout le monde, parce qu'en fait ils sont à la recherche d'un jeune homme spécifique, un jeune homme qui aurait à voir avec une prophétie, et en fait on sait pas lequel des trois jeunes hommes est le héros en question, et donc du coup ils vont tous partir, et en fait va bien y avoir un de ces trois jeunes hommes du coup, qui est le héros de la prophétie, mais on va se rendre compte également que les deux autres jeunes hommes, du coup il y a Matt, Perrin et Rand, je vous donne pas les prénoms, c'est voilà, n'importe quoi, bref, en fait on va se rendre compte que Rand est le héros de la prophétie mais que Matt et Perrin sont également très importants dans le combat, les guerres qui vont se préparer et donc ils vont devoir fuir leur village pour lutter voilà contre les forces du mal, et les deux jeunes filles, on va découvrir qu'elles ont toutes les deux des pouvoirs magiques, des pouvoirs d'Aes Sedai, et les Aes Sedai dans cet univers c'est des sortes de sorcières, et avant donc... Attendez, je suis désolée, faut vite... Alors en fait, je suis désolée, j'ai dû partir en catastrophe parce que le chaton faisait... Enfin, le petit chat blanc faisait un boucan phénoménal dans le couloir en jouant avec ses gamelles. Sauf qu'en fait, mon copain, il est en train de donner cours en visio. Donc lui, il pouvait pas se déplacer et j'avais peur que ça fasse du bruit pendant son cours. Donc voilà, bref, du coup, je disais quoi ? Du coup en fait les deux jeunes filles, du coup Egwene et Ninaev, je sais plus, elles ont des noms à coucher dehors, découvrent qu'elles ont des pouvoirs d'Aes Sedai, et les Aes Sedai dans cet univers c'est des sortes de sorcières, donc elles vont devoir partir à une école de magie pour apprendre tout ça, sauf qu'il va se passer des trucs, enfin bref. En gros nos cinq jeunes gens originaires de Deux Rivières vont se retrouver au milieu d'une espèce de grande guerre contre le mal, puisqu'en fait dans cet univers il y a des siècles, le grand mage noir, enfin qui est pas vraiment un mage mais plutôt... Enfin, qui a un mage noir, mais plutôt du genre... deux niveaux au-dessus de Voldemort, quoi. C'est pas juste un mage noir, c'est presque un dieu méchant. Enfin bref, Balsamon, en tout cas, qui est du coup le très grand méchant, a été emprisonné magiquement il y a des siècles, sauf qu'en fait, sa prison est en train de... Et bah de s'ouvrir petit à petit, et il y a notamment des suppôts des ténèbres, donc des gens qui sont à la solde de Balsamon, qui essaient de faire revenir leur maître sur terre, et il va y avoir une grande guerre. C'est vraiment de la fantaisie très classique, avec des quêtes, avec des élus, des prophéties, ce genre de choses. Et ma foi, d'habitude, j'aime... Enfin, les deux premiers tomes, c'était vraiment des lectures sans plus. Mais ce tome 3, je l'ai dévoré, et j'ai adoré ma lecture. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Franchement, je vous cache pas que ça m'arrange pas beaucoup, parce que du coup c'est une saga que j'avais prévu d'abandonner, et du coup j'avais prévu de me consacrer à de nouvelles sagas, mais bah tant pis, je vais continuer, parce qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut suivre ses envies. Donc voilà, et bah du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.